le prince Harry et Meghan Markle ne seraient plus acceptés dans leur nouvelle résidence. Un célèbre chanteur a demandé leur départ. Il a tenu des propos très durs envers les Sussex. Et si pour le prince Harry et Meghan Markle, la tranquillité n'était pas vraiment au rendez-vous dans leur nouvelle résidence californienne, alors qu'il avait pris la décision de quitter le Royaume-Uni en janvier 2020 assurant ne plus en pouvoir des paparazzi et de la pression qu'ils ressentaient sur leurs épaules, ils ne seraient pas plus au calme à l'autre bout du monde. Selon les informations du Mirror, un célèbre voisin du couple n'aurait pas hésité à s'en prendre verbalement à eux en leur réclamant de quitter les lieux. Il s'agit de John Lydon, l'ancien leader des Sex Pistols, âgé de 67 ans. Il leur aurait lancé « Fermez-la et barrez-vous ». Selon lui, s'ils veulent vraiment plus d'intimité, il faut qu'ils laissent derrière eux leur vie de célébrité, mais ce n'est pas ce qu'ils feraient. Dans une diatribe, le chanteur a assuré que les Sussex étaient méchants. Il estime que si le couple quitte leur résidence actuelle, ils seraient sans doute plus aimés. Si vous voulez être normal et en dehors de la famille royale, alors va te faire foutre. Juste va te faire foutre et tais-toi, a-t-il poursuivi de manière très virulente. Il a ensuite fait part de son expérience pour expliquer qu'il avait lui aussi dû prendre des décisions importantes dans sa vie pour obtenir la sérénité. Pour John Lydon, le livre du prince Harry n'était pas une bonne idée. J'ai dû quitter les Pistols, j'ai dû rompre pile, Public Image Limited, plusieurs fois parce que la situation n'était pas viable. Aujourd'hui, il demande aux parents d'Archie et Lilibet de reprendre une décision qui pourrait être bénéfique pour leur image. Malgré tout, il est persuadé que les amoureux ne partiront pas malgré cette demande. Selon lui, ils ont mis trop de temps à trouver un endroit dans lequel ils se sentent bien. John Lydon aurait également affirmé avoir trouvé très gênant le livre autobiographique écrit par le prince Harry. À propos de l'auteur Marine T. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re. Meghan et Harry, nouvelle déconvenue concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma Emin, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo.